Née à Bologne en 1552, Lavinia Fontana, célèbre femme artiste et mère de 11 enfants, se forme à la peinture auprès de son père Prospero Fontana. Et elle devient la portraitiste la plus en vue des familles riches de sa ville natale. À la Renaissance, en fait, le portrait est vraiment l'apanage de l'élite. Et cette femme artiste parvient à s'imposer dans un domaine réservé aux hommes, tout comme deux autres femmes, Sofonisba Anguissola et Artemisia Gentileschi. Lavinia Fontana est appelée à Rome en 1600 où elle poursuit sa carrière glorieuse. Première femme à recevoir des commandes de retables pour les églises, elle peint le pape Grégoire XIII et Clément VIII. Ici, dans cette peinture très minutieuse, elle dépeint un gentilhomme bolognais, assis à son bureau et représenté de trois quarts. Il est richement vêtu et tient un livre ouvert, un large manuscrit, qu'il vient d'annoter de sa plume. Un carnet glissé sous ce livre lui permet de poursuivre sa réflexion. Lavinia Fontana est une femme de grande culture, musicienne également. Elle propose en fait ici une synthèse entre les portraits de Bronzino, de Raphaël qu'elle a admirés, et ceux caractéristiques d'une région qui s'appelle la région émilienne, en Émilie, qui présente des vanités sur la table. Par exemple, ici on voit un sablier qui rappelle que ce Bolognais, il sait très bien que son temps est compté. Mais en même temps, oui, elle fait une synthèse avec ce qui se passe dans les écoles du Nord, avec la présence de cette belle perspective proposée par cette enfilade de pièces, éclairée par une belle lumière tamisée. Enfin, Lavinia Fontana dispose d'un esprit vif. Elle représente en quelque sorte la femme moderne en son temps, surtout que si on rajoute que son mari a abandonné son métier pour devenir son assistant. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que sur le fauteuil où est assis ce Bolognais, on aperçoit une signature. On peut lire Lavinia Fontana et on voit qu'elle a ajouté le nom de son mari et qu'elle donne une date en chiffres romains. Mais les chiffres se sont un petit peu effacés à la fin de l'écriture, donc on a cherché un petit peu pour savoir quelle était la date de mariage de Lavinia Fontana et de son mari. Et puis on a pu donc affiner la datation 1577-1578 grâce donc à cette fameuse date de mariage. Cette œuvre, exécutée par une femme artiste peintre, Georges Achille Fould, représente l'artiste bordelaise Rosa Bonheur dans son atelier du château de Bie à côté de Fontainebleau. Dans ce tableau, on peut apercevoir derrière l'artiste un détail de la foulaison du blé en Camargue. Rosa Bonheur porte le pantalon, ce qu'elle justifie par son travail dans les abattoirs, mais est obligée d'obtenir une autorisation de travestissement pour le porter. Elle possède aussi toute une ménagerie, un lion paralytique, des cailles, des chiens, des moutons. Tous les journaux évoquent ses pantalons et ses cigares, ces détails expliquant l'aspect viril de sa peinture. Pour ses contemporains, elle est un véritable phénomène. En 1865, elle est la première femme peintre à recevoir la Légion d'honneur. À la mort de son père, Rosa Bonheur le remplace à la direction de l'école de dessin pour jeunes filles. À partir de 1853, sa réputation dépasse les frontières. Ernest Gambard, marchand belge, installé à Londres, s'occupe de sa diffusion internationale. Sa notoriété provient aussi de reproductions de son œuvre par la maison Goupil, dès 1853, qui a pour ambition de mettre l'art à la portée de tous. On collectionne des portraits de l'artiste et de ses œuvres. Rosa Bonheur a conscience de l'importance des marchands, des médias, des États-Unis et de tout ce qui peut contribuer au succès de sa carrière. Elle accepte quelques interviews et les photographies susceptibles de forger sa légende, comme celle où elle pose aux côtés de Buffalo Bill, qu'elle a peint en 1889 et dont elle conserve un costume. En 1853, elle expose au salon un tableau qui deviendra célèbre, le marché aux chevaux, conservé à New York au Metropolitan Museum of Art, présenté également à l'exposition universelle de 1855. Refusé par la ville de Bordeaux lors de sa présentation au salon de la Société des Amis des Arts de Bordeaux de 1854, la toile fut achetée par Ernest Gambard. En 1856, Rosa Bonheur effectue un voyage triomphal en Angleterre. Elle est présentée à la reine Victoria et à plusieurs peintres anglais. 4 ans plus tard, elle installe son atelier à Bie, que nous venons d'évoquer, domaine qu'elle s'est acheté grâce à son travail. C'est là qu'elle commence cette toile, après de nombreuses études préparatoires et quelques modelages. Mais d'importantes commandes et la mort de l'artiste en 1899 laissèrent l'œuvre inachevée. Malgré la construction d'un nouvel atelier en août 1898 et l'intervention d'Anna Klumke. Rosa Bonheur dépeint la beauté et la puissance des chevaux à demi-sauvages que les paysans camarguais utilisaient pour fouler le blé.
Dans cet escadron, trois chevaux blancs attirent la lumière, tandis que les plus sombres ouvrent la voie, orientés par le fouet d'un paysan. L'artiste énonce leur appartenance au monde rural, à la vie paysanne, tout en exaltant leur force. Elle célèbre l'agriculture, le retour à la terre nourricière, et dans un contexte de concurrence entre les nations, la richesse des races animales françaises.